monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on va encore attaquer une de mes petites cartes, puisque un jour, une carte, voilà, donc là, une carte de Noël. Et donc, cette fois-ci, en ce moment, j'arrête pas de voir plein de les chutes, des chutes, faire ceci, cela avec des chutes, récupérer les chutes, etc. Je garde toutes les chutes, je ne jette rien. Que ce soit au niveau des papiers, que ce soit au niveau du tissu, voilà, au grand désespoir de mes enfants. Donc, je garde tout. Et du coup, je me suis dit, eh bien, on va faire une petite carte toujours sur le thème de Noël avec les chutes du papier de Noël de, d'il y a 2 ans. Hein, et pour beaucoup, c'était d'il y a 2 ans. Hein. Donc, c'est la boîte, c'est là-dedans. Et là, j'ai plein de chutes. Voilà. Et du coup, bah écoutez, voilà. Je vais faire... je ne sais pas ce que je vais faire. Voilà, je n'ai aucune idée. Voilà, il y a tout ça. Il y a même encore des petites... les petites cartes, vous savez, qui étaient dans les... dans les blocs de Noël. Et tout ça, c'est quand j'avais fait... comment dire... j'avais fait 2 calendriers de l'Avent. Voilà. Et tout ça, c'est... voilà. Il y a des chutes, il y a des chutes. Et donc, je me suis dit que... Eh bien, voilà. Je prends une carte. Toujours les petites bases de cartes que Ghislaine m'avait envoyées. J'aime bien cette couleur-là. Voilà. Donc, je vais faire ça. J'ai ma colle. J'ai un massicola parce que je ne sais pas exactement encore comment je vais faire. Et voilà, je vais faire avec vous, je ne sais pas. Là, je sors juste quelques petits papiers comme ça. Là, je vous dis, j'ai tout ça, c'est des chutes. Regardez, voilà, des petites chutes comme ça que j'adore. Voilà. Alors, là, du vert. C'est quoi celle-là? Celle-là, c'est du doré. Alors, on va voir. Voilà, je mets tout ça là. Alors, je veux que celles qui ont un rapport avec Noël. Parce que dans les petites, est-ce que j'en ai d'autres par là? Voilà, c'est encore une comme ça qui est plus fine. Ouf, Non, je vais prendre que des avec des... Là, c'est aussi de Noël. Je n'ai aucune idée, mais alors, aucune idée de ce que je vais faire. Voilà. Donc, hop, je prends la rouge parce qu'on ne sait pas. Ouais, j'avais mis tout ça parce qu'après, je m'étais dit aussi que je pouvais faire du... mince, je ne me rappelle plus le nom. Folding, non, c'est pas ça. Oh, peut-être. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ouais, non. Il y avait celui-là. J'aimais beaucoup celui-là. J'adorais les. Comment dire? Hop là. Un petit morceau comme ça. Les petits Pères Noël. Je trouvais qu'ils étaient trop beaux. Alors, parce qu'après, je ne vais pas faire avec tout, hein, mais. Voilà. Comme je vous dis, je n'ai encore aucune idée de ce que je vais faire. Voilà, celle-là aussi, il était beau. Je vais essayer les tout petits morceaux d'abord. Hein. Non, là, alors... Là, tout ça, c'est des chutes, mais c'est des grandes. Hein, donc, c'est des grandes. Là, ensuite, c'est des grandes. J'adorais celui-là aussi. Alors, voilà. Je vais garder... Les petites, quoique sinon j'utiliserai les images que j'avais imprimées là pour avec les Pères Noël, entre autres. Hop, là, non. Voilà.
du blanc. Il n'y a rien. Je pense que je vais déjà voir ce que je peux faire avec ce que j'ai là. Ouais, j'ai ceux-là, là, je peux peut-être utiliser ça. Hein. Je ne sais pas trop. Je vais voir. Ouais, je sais pas, c'est plus écrit en anglais, c'est des textes en anglais. Je vais les sortir. Hein. Voilà. Je vais sortir, je vais voir. Je ne suis pas sûre que je vais utiliser, mais. Voilà. Voilà. Bon, allez, maintenant je mets la boîte de côté et on essaye. Hop là. Voilà. Je vais enlever le. Couper la sonnerie de mon téléphone parce qu'avec le bol que j'ai, ça va se mettre à sonner quand je vais commencer. Donc, alors, je prends ma petite carte. Je vous dis, je ne sais pas encore. Par contre, la carte, je ne veux pas qu'elle soit si grande. Moi, j'aime pas. Non, c'est vrai, je ne suis pas forcément attirée par les grandes. Donc, moi, je vais la mettre à 15. Oui, comme ça. Hein. Je vais la mettre comme les traditionnels. Hein, 15, parce que là, ça, je crois que c'est 16,5. Voilà. Là, et je vais mettre 11. C'est déjà pas mal. 15 sur 11. Voilà. Voilà. Donc, voilà pour ça. Alors, est-ce que je colle directement là-dessus ou est-ce que je colle tout comme ça d'abord sur ça pour remplir complètement ma feuille? Et après, alors attendez, si je mets comme ça, là, il faut que j'enlève combien là? Que ce soit comme ça à peu près. Faut que je coupe ouais, à peu près là, je vois, parce que c'est vrai que si je colle tout dessus, c'est peut-être mieux. Ouais, comme ça. Sinon, j'enlève un tout petit peu. J'enlève un tout petit peu, mais il faut que j'enlève la même chose de chaque côté, parce que c'était à peu près pareil. Voilà. J'espère que j'ai pas fait de bêtises en faisant comme ça au pif, sans prendre de mesures. Ouais, non, c'est bon, comme ça. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la base de carte. Et maintenant, il faut que je colle là-dessus. Alors, moi, je voudrais rester beaucoup dans ces tons comme ça. Donc, hop. Je vais coller. Je ne sais pas trop. Je vais couper des bandes au hasard. Hein. Ouais, au hasard. Allez. Voilà, je vais faire des petites choses comme ça. Alors, je mets de la colle et hop, et je verrai plus tard. Après, je découperai ce qui dépasse. Alors. Voilà. Ah oui, par contre, je vais mettre une feuille en dessous. Voilà. Alors, je vais commencer comme ça. Allez, je mets au pif. Là, qu'est-ce que un petit foncé comme ça. Alors, on met tout à... Alors, voilà, ça je verrai après. Voilà. Là, ça me donne envie. On verra bien. Là, comme ça. Là, je mets le doré. Oh, j'aime bien. Hein. Qu'en pensez-vous? Par contre, celle-là, j'en ai pas beaucoup des comme ça. J'aime bien. Tant pis, hein, je vais le mettre quand même. Mais sachant que si ça se fait, il n'y a pas d'autres bouts comme ça dans la boîte. Hop. Là.
celui-là. Là, je vais découper celui-là parce que je voudrais le remettre. Voilà. À moins que je mette d'abord celui-là. Non, pas celui-là. Celui-là, je vais découper encore. Ce que je vais faire, je vais découper tout de suite. Je vais découper plusieurs... parce que sinon, après, ça va être difficile. Enfin, ça va être difficile. Disons, c'est plus embêtant, en fait. Voilà. Je coupe plusieurs bandes. Voilà. Voilà, 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 voilà. Et il y avait l'autre petit doré qui était là. Et en fait, je vais peut-être couper. Parce que là, il y a des plis. Il faut que je découpe au pli. Voilà, au pli là. Et là, au pli aussi. Parce que je vais en couper, ouais. Voilà. Là, on verra comme ça. Et celui que j'aimais bien, mais je ne suis pas sûre qu'il y en ait encore, c'est celui au petit pois. Ah si, il y en a là. Et en plus, il y a même un du qui est déjà découpé. Alors, est-ce qu'il y a encore un petit bout du jaune? Le petit pois. C'est marqué après. Oh. Je vais déjà faire avec ça. Hop là. Donc. Voilà. Ah oui, non, c'était ça. Voilà. C'est celui-là que je voulais mettre aussi. Donc. Voilà. Et il faut que je coupe. Je vais utiliser que des petites couleurs comme ça, claires. Il est tombé par terre. Voilà. Un, deux. Et l'autre, il est parti où l'autre? Vraiment, ça, je l'ai perdu. Voilà. Bon, bah, je vais recouper un autre. Hein. Il est parti, je l'ai perdu. Le petit bout. Je ne vais pas avoir besoin de tout ça, mais c'est pas grave. Je vais toujours en refaire une autre plus tard. Ça va pas. J'enlève comme ça pour l'instant. Parce que ça va me prendre. Et je pourrais éventuellement voir ceux-là comme ça utiliser aussi. Allez, on y va. Allez, sérieusement. Là, du coup, celui-là, j'aime bien. Je vais peut-être mettre le papier à côté pour la rose. Bon, allez, on y va. Celui-là, donc, j'ai dit que... Voilà. Et donc... Voilà. Alors, est-ce que... Non, ça fait trop grand. Ouais, celui-là, j'aime bien. Par contre, j'étais partie. Vous n'allez pas me croire. Quoique si, parce que vous avez vu qu'au début, ce que je vous ai montré comme image, c'était dans les tons rouges. Hein. Et au final, je me retrouve avec ce genre de couleur. C'était pas forcément ce que j'avais pensé au départ. Hein. Franchement... Alors, il me faut la j'avais le petit morceau vert, je l'ai mis où? Ah. Est-ce que vous le voyez? C'est le même que là. Alors, je vous entends pas, dites-le moi. Ah, et voilà. Ah, heureusement que je regarde. C'est pas gentil ça. Hop là. Là. Voilà. Là, du coup, je vais mettre un petit comme ça.
Du coup, je vais remettre un comme ça. Alors, dans celui-là, j'avais plusieurs. J'avais... Il me semblait que j'avais un peu plus petit. Ouais, donc, comme ça, j'aime bien. Je vais mettre la colle là-dessus, puisque de toute façon, je vais coller. Alors, j'aurais pu même faire autrement, mais bon. Alors. Voilà. Là, ça, c'est bon. Non, je vais remettre un doré, une petite fine de doré. Voilà. On va faire comme ça. Voilà. Un petit peu de colle. Ça, c'est pas bien. Elena, t'as mis de la colle. Donc là, comme ça, comme ça. Après, j'en avais encore un comme ça. Je l'ai mis où? Il était devant mon nez. Ah, il est là. Non, le petit vert d'abord. Je vais mettre un peu plus grand. Un peu plus grand. La colle partout. Voilà. 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 Non, je vais mettre d'abord le petit, un petit comme ça. C'est dommage, j'ai plus du vert comme ça. Non, il n'y avait pas d'autres. Il n'y avait pas d'autres chutes comme ça. Dommage. Je trouve qu'il ressort bien. C'est bizarre que j'en ai pas. Ouais, c'est bizarre. Je ne vois pas. Non, c'est pas grave. Je vais pas chercher. Là, alors, je vais mettre celui-là, là. Ah oui, non, parce que celui-là, il est... Non, je vais mettre le petit, celui-là, d'abord. Ah, c'était pas le même, celui-là. Oh, tant pis. Là-haut, donc là et là, j'ai dit que j'allais mettre ça. Voilà. Ah, j'ai pas mis de colle, là. Ah, oh. J'ai commencé trop. Voilà. Je pense qu'il y a quand même pas. Après, donc là, là, maintenant, c'est quoi que je pourrais mettre ici à la fin, comme ça, c'est quoi que j'ai, oh non, ou carrément un comme ça, un comme ça, ouais, mettre ça,
pâte, mais je ne veux pas mettre. C'est qu'il est, il est trop... Ouais. Alors, je ne vais pas faire comme ça. Il faudrait un tout fin. C'est bête. Oh, bah, tant pis, je vais mettre ça. Voilà. Et là, maintenant, je peux mettre celui que j'avais là. Voilà. Là, je peux le mettre là. Voilà. Et maintenant... Ah non, pas celui-là. Là, là, non. Là, qu'est-ce que je pourrais mettre là? Ben, un vert, tiens. Un vert. Ou comme ça, plutôt. Non, le petit. Je crois que ça fasse trop. Ça. Ensuite, ouais, ben celui-là, ça, c'est vrai que c'est pas trop. C'est... Bon, sinon, je vais mettre un tout fin comme ça. Comme ça, hop. Voilà, voilà, c'est mieux. Après celui-là, parce que à moins que ce soit celui, ah non, celui-là d'abord. Voilà. Ah zut, ah zut, 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 zut. Je peux pas. Ah non, je peux pas. Il manque un tout petit peu. Donc, je ne peux pas le mettre là. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre? Ah ben, comme ça. Parce que, de toute façon, les autres, bon, ça ne va pas. Oh, c'est dommage. Parce que, il n'y a pas des plus... J'ai pas de plus fin. Non. Bon, bah, tant pis. Hein. Je vais mettre celui-là. Oh. Si j'arrive à couper à peu près droit, ça fait à peu près droit. Ouais, mais voilà, maintenant celui-là. Je vais le... Non. Toujours pas. Donc là, ça va être le tout fin comme ça. Je vais mettre un tout petit peu comme ça. Et là, par contre, on va mettre celui-là. Ah, c'est pas vrai. Et vous allez me croire, ça, il manque un tout petit bout. Oh. Tant pis, je retaillerai. Hein, parce que là, voilà. Et là, je me retrouve avec ça. Et j'aime bien. Maintenant, que, parce que ça a tout collé. Hein, là. Voilà. Et celui-là, il s'est décollé. Bon, pas de chance. Un plus grand que ça, c'est vraiment non, c'est pas ça. Donc, je regarde si des fois j'ai quand même un petit morceau qui se promène que j'ai pas vu. Ah bah si, regardez, voilà, comme ça celui-là je peux le jeter et là je peux mettre comme ça, il va aller bien jusqu'à la pointe. Voilà. Ah, quand même. Voilà. Et maintenant, voilà, j'ai juste à prendre
mes ciseaux. Voilà. Alors, comme je dis, hein, je n'invente rien. Il y a plein de copinettes qui ont fait tout un tas de trucs avec les chutes. Voilà. Moi, c'est vrai, je garde tout le temps les chutes. Alors, j'en utilise beaucoup, hein. Parce que quand je coupe, par exemple, les petites fleurs, les trucs comme ça, des petits papillons que des fois, je mets même dans les enveloppes comme ça, pour que ça tombe partout. En fait, c'est avec toutes ces chutes-là comme ça que je le fais. Hein. Mais, ah, et ben voilà, ma petite carte. Et ben j'aime beaucoup, vous savez. Et là, je sais pas trop. Ah, là, il y a de la colle partout. Vous savez quoi? On va faire juste comme ça et à la poubelle. Là, juste comme ça et à la poubelle. Parce que sinon, on va pas s'en sortir avec la colle. Donc, ça... Ah oui. Non, du coup, pour mes images que j'avais là, ça ne va pas. Hop, les chutes. Oui, celle-là. Il faut que j'enlève la huile à la colle. Hein, parce que si je mets avec la colle, tout va coller. Donc, c'est bon, c'est bon. Voilà, et voilà. Alors, du coup, voilà, hop, la boîte, on la range. Voilà, voilà. Voilà pour l'instant. Et du coup. Alors, moi, j'avais envie, parce que, voilà. Hein. Alors, là, ça va venir comme ça. Regardez. Ça s'adapte impeccable. Voilà. Et voilà, j'ai des joyeux Noël. C'est pas celui-là que j'aime bien. Je vais voir jusqu'à quand. Je vais en trouver un qui fasse joli. J'ai le... Ah, j'ai le vert, il est beau. Hein. Alors... Ça, c'est des découpes. J'ai les dalles. Il faut juste que je redécoupe. Mais là, hop, je vais voir avec ce que j'ai. Là, si je mets Joyeux Noël. Ah, j'adore. Maintenant, je vais regarder, en fait, dans les petites images que j'ai là, si j'en ai une qui pourrait faire bah, jolie. Voilà, je range ça. Parce que, franchement, j'aime bien celle-là. Et donc, dans mes petites images de Noël, que j'ai... Oh, c'est fade, hein. Enfin, c'est fade. Il faudrait plus blanc. Plus blanc. Style comme ça, peut-être. Ah. Est-ce que ça pourrait le faire comme ça? Peut-être pas encore. Je vais voir. Là, non. Est-ce que je pourrais mettre une comme ça? Non. Non, non, non. Je trouve qu'on voit pas assez. Donc, ça va pas. Je vais regarder dans celles que j'ai qui sont plus blanches. Vous voyez, comme celle-là, elle est plus blanche. Ça ferait peut-être plus joli. Ou... Ah, il y a celle-là. Si je... Il faudrait que je la découpe. Ouais, si je la découpe, ça pourrait le faire quand même. Hein. Celle-là, si, mais en fait, il faudrait que je la découpe, mais avec un... Comment dire? Ouais, non. Un cadre. Alors, je vais essayer de voir celle-là. Si je la découpe, voir ce que ça fait. Comme ça. Hop. Limite les couleurs, mais bon, je vais voir. J'aimais bien avec le petit bonhomme de neige, mais sinon je mets aucune image. Ça fait sobre, j'adore, mais en même temps je sais pas, je trouve que ça manque un petit quelque chose. Ouais, non. Là, avec ça, non. Ah non, vous voyez, j'arrive pas. Voilà, c'est toujours pareil. Alors, des fois, j'en ai 50 000 et puis voilà. Mais non, je franchement, je me dis qu'en fait,
Non. Ou sinon, je laisse juste en simple comme ça. Mais, oh non, je trouve que ça manque quand même d'une petite... Ben, dites-moi quand même. Parce que là, si je fais ce qu'il y a, c'est que c'est le tour, en fait. C'est le tour qui ne va pas. Vous voyez, si je mettais comme ça et comme ça, je viens Noël. Non, ça enlève trop, à moins que... Eh ben, je vais essayer de découper. Hop, vous n'êtes pas pressé quand même. Allez, on va essayer de découper et voir. Alors moi, j'aime pas laisser du blanc autour. Donc, hop, c'est un peu plus dur à découper. Enfin, un peu plus dur. Pour ceux... Parce qu'il y en a certaines d'entre vous, vous découpez super bien. Hein. Mais des fois, je ne sais pas comment vous faites pour que ça fasse aussi net. Surtout quand c'est des petites découpes un peu minutieuses. Moi, j'ai un peu de mal quand même. Hein. Mais là, par exemple, c'est vrai que j'aime bien le petit Père Noël, là. Hop. Alors, je vais voir. Je me dépêche. Ça va être un peu plus compliqué pour le... Alors, c'est là qu'on se dit qu'on a plein de petits... des stylos, des genres de petits cutters, de petites choses comme ça, qui soi-disant découpent bien les images. Mais en fait, quand vous voulez les utiliser, vous vous rendez compte qu'en fait, non, ça coupe pas... c'est pas si précis comme les pubs qu'on voit, hein. Quand on voit, on met l'image à plat et puis hop, avec le petit cutter, on va partout, ça coupe tout seul. Enfin, moi, j'ai plusieurs cutters. Hein. J'en ai commandé, j'en ai reçu, comme on voyait. Et franchement, bah, j'y arrive pas. Le meilleur des cutters reste pour moi les ciseaux. La seule chose, c'est que voilà, il faut rester cool. Voilà, il faut se dire qu'on a le temps. Parce que souvent, c'est ça, c'est quand on commence à vouloir aller vite, hop, on fait des bêtises. Comme là, vous avez vu que la carte, je n'avais rien préparé. Voilà. Et là, c'est ce que j'avais un peu envie de faire, c'est que cette série de une carte par jour, eh ben, je voudrais partir des fois comme ça, de rien, sans savoir exactement ce que je veux. Et voir ce que je peux faire. Voilà. Et là, comme ça, et ben, si c'est loupé, ben, vous allez, comment dire, vous allez assister au loupage comme aux réussites. Voilà, avec moi. Voilà. Alors, après, il va falloir que j'ancre les bords, hein, parce que, bon, j'aime pas sinon. Et c'est ça qui va être un peu plus compliqué parce que là, je ne voudrais pas faire en vintage. Donc, il faut que je fasse et passer avec le stylo noir. Souvent, je le fais hein, des fois, hein, mais il faut avouer que des fois, j'ai des loupages aussi. Ah, là, je n'ai pas bien coupé. Le petit bonnet du petit bonhomme, là. Hop, alors. Voilà. Et ben voilà. Eh, ça fait quand même mieux, hein. Mais oui, ça fait mieux découper. Alors, je vais quand même essayer avec un feutre noir. Alors, des fois, c'est comme ça que je fais. Donc là, je ne sais pas trop. Ah, ouais, non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est celui-là. Hop, hop. Je fais tout tomber en même temps. C'est celui-là. Le coup. Bah non, c'est pas celui-là non plus. C'est avec les. Bah, il est où? Ah, est... Ils sont là pourtant. Oh, sinon, à moins que je fasse avec cette couleur-là. Vous savez, c'est ceux avec la pointe comme ça. Voilà, la pointe comme ça. Bon, bah tant pis, je vais faire plutôt en gris. Je vais voir comment ça fait quand je fais en gris. Vous voyez, voici, je vais faire en gris. Parce que je ne veux pas...
faut que je fasse attention pour pas en mettre partout. Alors, les bottes, ça va. Mais voilà, ça, ça va. Mais c'est où il y a le... C'est pas grave, hein. Voilà. Voilà. Hop. Bon, ben, je fais pas plus, hein, parce que je sens que je vais faire des bêtises. Non, je vais juste laisser comme ça, parce que ça boit trop. Le papier boit trop. Et ben, je vais déjà mettre... Voilà. Allez, on va commencer. C'est là que ça va être difficile, c'est de coller les lettres. Hein. Parce que j'ai le petit... comment dire ça? Le petit flacon avec la petite pointe, là. Mais malgré tout... Allez. Là. Hop. J'espère que je vais réussir à bien comment dire. Hop là, il y a un peu de colle qui est resté collé sur la façade. Voilà. Bon, je sais plus ce que j'allais dire, mais bon, c'est pas grave, vous avez l'habitude maintenant. Alors, la pointe, je l'avais là. Je l'avais là. Donc, hop, on enlève. Bah, du coup, le fait de faire ça, ça m'a permis d'utiliser le papier tout moche, là, aquarelle de chez Action. Vous savez, ce qu'ils avaient sorti, là, qui est tout gris, là, que j'aime pas du tout utiliser. Et bah, du coup, comme il est caché... Qu'est-ce qui se passe avec mon double face? J'espère que c'est pas encore un qui va me... De toute façon, je vais mettre de la colle. Parce que c'est bizarre ce que ça me fait. J'espère que c'est pas un papier en plus d'être pourri que la colle n'adhère pas. Ce serait la meilleure. Alors... Hop, on met quand même de la colle comme ça, hop, 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 hop. Comme ça, même s'il se détache. Voilà. Voilà. Allez, maintenant, je vais essayer. Ah oui, il y avait un peu de colle là. Alors, c'était dans quel sens? J'avais fait comme ça, donc je vais essayer de laisser comme ça. Hop là, 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 ça qui est un peu embêtant avec cette colle, c'est que quand vous collez avec, eh ben, on a tout le temps l'impression qu'il y a plein de, voyez, qu'il reste toujours de la colle. Il faut essuyer après bien pour la faire enlever, ça par contre elle s'enlève bien. Elle roule, hop là, je la sens là. Voilà. Ouais, il y a un petit peu qui est resté là. Voilà. Là aussi, il y a un petit peu. Là aussi, on enlève. Voilà. Voilà, c'est bon. Et, elle est belle quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup. Et donc là, je vais mettre le Père Noël comme ça. Je vais mettre, voilà, joyeux, voilà, je vais mettre comme ça, joyeux Noël, voilà, comme ça, attendez, peut-être comme ça, joyeux là, Noël là, où c'est plus clair, et avec le petit Père Noël là, non, oh, quoique, peut-être joyeux Noël comme ça, et le Père Noël, ouais, je vais mettre comme ça, allez, hop, de la colle, parce que, ma vidéo, je pensais que qu'elle allait être rapide. Et du coup, ben oui, ça met du temps de coller toutes les petites bandes. Et comme je ne fais pas d'avance rapide, je ne travaille pas mes vidéos, je n'ai pas envie.
Donc, la seule solution, c'est que vous, vous fassiez une avance rapide. Et moi, hop, je ne fais pas. Je pense que ce ne sera pas tout de suite que vous verrez des vidéos toutes travaillées. De toute façon, ça prend beaucoup trop de temps. Et moi, c'est pas, j'ai pas envie de passer des heures en train de tout travailler à chaque fois. En train de me revoir, en train de papoter. J'aime pas non plus. Hop, 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 hop. Bravo! Et là, maintenant, on va faire celle-là. Donc, là, c'est la quatrième vidéo. Ouais. La quatrième carte, pas la vidéo, la quatrième carte de, sur le thème de Noël. Voilà. Alors, hop, voilà, comme ça. Voilà. Voilà. Et maintenant, mon petit Père Noël. Est-ce que je le mets avec de la mousse 3D? Ouais, je pense que je vais le mettre avec de la mousse 3D. Oh, je vais encore salir tous mes ciseaux. J'ai tout nettoyé. Mais franchement, ça va tellement vite à salir que... Oh, oups, là, voilà. C'est pas grave, on va essayer de faire des petites choses. Des petits raccords, voilà, un pied. Oh, c'est bizarre, il manque un bout. Ah, d'accord, bon. Ah bah, c'est resté là. C'est resté là. Ah, voilà. C'est pas si facile que ça. Alors, un petit, j'ai besoin d'un petit bout là. Voilà, comme ça. Un autre petit bout par là. Hop, je vais couper. Hein. Hop. Alors, pour la boîte. Voilà, un autre petit bout qui est là pour le genou. L'autre petit bout qui vient là. Voilà, et il manque encore un petit bout pour la tête. Tête alouette, alouette. Voilà. Ah, et ben. En tout cas, ça colle. Je ne sais pas si ça va tenir dans le temps, mais là, ça tient bien dans mes mains. Bah, du coup, je vais découper encore un petit morceau là, parce que j'ai un petit morceau qui va me rester qui ne me sert à rien. Là, bah, celui-là, il est pareil, hein, ça ne va rien me servir. Si je change contre celui-là. Et voilà. Hop, on va enlever tous les petits morceaux. Voilà. Là. Là. Ah non, là, il n'y a pas. Il n'y a plus. J'ai déjà enlevé. Voilà. Voilà. Hop là. Et le dernier. Là, du coup, j'arrête pas, ça m'énerve. Je vais remettre un petit peu de colle comme ça, pour être sûr que ça va tenir quand même. Voilà. Du coup, mon petit Père Noël, il va venir par là. Hop, hop, il va grimper. Voilà. Alors, est-ce que je mets quelques petites... non, c'est pour ça. Là, il y en a, mais c'est de toutes les couleurs. Ah, quoique. Oh, ouais. Allez voir. Est-ce que ça fait joli de cette couleur-là ou pas? Si je mets, en admettant que je mets... Ah oui, si.
Hop. Voilà. Les vertes, que les vertes. Voilà. Ah. Alors, là, en haut aussi. Là. Est-ce qu'il y en a d'autres, des petites vertes? Là. Là. Voilà. Oh, ah, si tu es à plat, du coup, elle veut plus décoller. Voilà. Et en fait, il me faudrait au moins une encore. Voilà, comme ça. Ouais, je pense que je vais faire comme ça. Allez, hop. Ah, on est là. Un petit peu plus de colle. Là, ici, voilà, j'ai à moitié la tremblotte, j'essaye de faire en sorte, alors celui-là, je vais plutôt le mettre par ici, là, là. C'est parti. Après, on va faire avec ce côté là si on arrive. Non, ah si, voilà. Parce que le petit bout de cire qui était dans le bout du petit stylet là était parti, donc forcément hein, si c'est parti hop, voilà. Et bah écoutez, je pense que j'arrête là. Je ne mets rien d'autre. Parce qu'au début, j'étais pour mettre des dorés. Vous voyez, un peu... Non, 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 non. Non, non. Je reste comme ça, très sobre. Voilà, regardez. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est que avec des petites chutes de papier. Par contre, ils étaient tous dans les mêmes tons. Je vais, hop, agrandir. Attention, les yeux. Oups, je fais un peu bruitasse quand même. Alors, hop, je ne sais pas si c'est mieux comme ça ou comme ça. En fait, ça dépend. Voilà, en tout cas, c'est doré parce qu'on voit, on dirait que c'est ce qui brille, le glitter. Là, on dirait que non, on voit bien que c'est doré. Il y a deux glitters différents. Mais vert. Bah écoutez, j'espère que ma quatrième petite carte vous a plu. N'oubliez pas, petit pouce en l'air, petit commentaire et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.